بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو اليوم الرابع من شهر رجب عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس التاسع في كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 3 mai 2014 et ceci est le 9e cours de l'étude de ce livre magnifique de l'auteur et du grand savant Ibn Kathir رحمه الله intitulé Les chapitres dans la vie du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. Mais avant d'entrer dans le cours aujourd'hui, je voulais profiter de cette occasion qui m'est donnée, puisque nous sommes au début de ce mois qui est le mois de Rajab. Le mois de Rajab fait partie des 4 mois sacrés chez Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, « Minha arba'atun hurum ». Il y a parmi ces mois, donc il fait référence aux 12 mois de l'année, 4 qui sont sacrés. Et les 4 mois ont été définis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mois de Rajab, et ensuite le mois de Dhul-Qi'da, Dhul-Hijja et Muharram. Mais beaucoup de musulmans ont une compréhension erronée quant à ce qu'il faut faire durant ce mois. Et beaucoup d'innovations dans les adorations se sont propagées particulièrement pendant le mois de Rajab. Certaines personnes disent qu'il est bon de jeûner ce mois. D'autres personnes disent que la récompense des actions est décuplée, et ainsi de suite. De manière générale, khulasatul qawl, la yathbutu shay'un fi Rajab. Rien n'est authentique dans les textes concernant les actes méritoires à faire durant le mois de Rajab. Et si une personne viendrait à faire quelque chose ou venait à faire quelque chose durant ce mois en pensant que dans ce mois il y a une récompense particulière, cette personne serait tombée dans l'innovation. Elle aurait commis un acte qui ne relève pas de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui donc ne serait pas accepté d'Allah azza wa jal. Il n'y a rien dans le mois de Rajab. Voici le résumé. Il n'y a rien à faire dans le mois de Rajab de différent aux autres mois. Et vous allez voir que beaucoup de gens vont dire « il est bon de jeûner, il est bon de faire telle et telle chose ». Il y a même dans certains pays des personnes qui célèbrent cette soirée que l'on appelle la nuit de l'ascension. Et c'est le dernier chapitre qu'on a lu, subhanallah, dans ce livre. Donc, ils disent que c'est au cours de cette nuit, une des nuits du mois de Rajab, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu cette ascension nocturne avec Jibril alayhi salam, où il s'est élevé vers les cieux et jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal lui a demandé de faire les 5 prières. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ce chapitre? On a vu qu'on ignore la date, premièrement, de cette ascension nocturne. Deuxièmement, même si on connaissait la date, il n'y a rien dans les textes qui nous oriente vers les adorations durant ce mois. Donc il n'y a rien à faire pendant le mois de Rajab de différent que les autres mois. Barakallahu fikum. Ceci étant dit, à travers le dernier cours, nous avons pu voir le chapitre qui concernait l'ascension nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui concernait également la proposition que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toute personne qui venait se rendre à la Mecque de le protéger. Et on a pu voir que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette ascension nocturne et ce voyage nocturne, beaucoup de gens n'ont pas cru en ses paroles. Quand il est revenu, alayhi salatu wa sallam, et qu'il a annoncé aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au cours de la nuit, l'a fait se déplacer de la Mecque jusqu'à Jérusalem, dans la Palestine, pour y prier 2 unités de prière en tant qu'imam,
Et derrière lui, il y avait l'ensemble des prophètes. Après quoi, il est monté vers les cieux, alayhi salatu wassalam. Et à chaque ciel, il a rencontré un ou deux prophètes. Puis, arrivé en haut du septième ciel, Allah Azza wa Jal s'est adressé à lui et lui a légiféré les cinq prières. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer. Ce sont des détails que nous n'avons pas vus dans les cours passés. Ensuite, quand il est revenu, il a informé, il a transmis cette information à son peuple, que ce soit les musulmans et aussi les associateurs, les polythéistes. Et alors, les réactions ont été diverses. Certains se sont tenus la tête avec leurs mains, d'autres ont applaudi. Tout ça en signe de moquerie à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il ne croyait pas à ce qu'il avançait. Alayhi salatu wa sallam. Ensuite, vu que personne n'a voulu le protéger, il attendait que les gens viennent se rendre à la Mecque, car à l'époque ils accomplissaient le pèlerinage, comme on a pu le voir, mais ils y commettaient le polythéisme, ils invoquaient un autre qu'Allah Azza wa Jal. Quand ils le rencontraient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposait aux hommes de prendre sa défense. Et un homme a accepté de prendre sa défense, il s'appelle Al-Mut'im ibn Adi. C'est un homme qui n'était pas musulman, mais qui a décidé de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort dans l'association, dans la mécréance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas oublié le bien qu'a fait cet homme pour lui. À un point où le jour de la bataille de Badr, lorsque les musulmans ont fait prisonniers et captifs des ennemis, et que des gens de Quraysh sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander la libération de ces derniers, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: si Al-Mut'im ibn Adi était vivant, je les aurais libérés. Ensuite, le temps, les mois, les années sont passés jusqu'à ce que nous allons voir. Des personnes se sont converties à l'islam, elles ont adhéré à cette religion. D'autres n'ont pas accepté d'adhérer à cette religion et d'y croire. Et nous allons voir dans ces chapitres qui vont arriver, inshallah, les prémices de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des choses qui se sont passées juste avant que le prophète alayhi salatu wa sallam ne quitte la Mecque en direction de la ville de Médine, Al-Madina. L'imam ibn Kathir rahimahullah va nous parler de certaines personnes. Donc, comme d'habitude, je vais lire la partie arabe, puis vous allez suivre, inshallah, et vous prendrez à partir de la page 21, à partir de la quatrième ligne, lorsque l'auteur dit « Or, Allah fit en sorte que les futurs soutiennent ». Mais je vais d'abord lire la partie arabe. « Qala rahimahullah, wa kana mimma sana'a Allahu li ansarihi min al-aws wal-khazraj, annahum kanu يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة أن نبيا مبعوث في هذا الزمن ويتوعدونهم به إذا حاربوهم ويقولون إنا سنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكان الأنصار يحجون البيت كما كانت العرب تحجه وأما اليهود فلا فلما رأى الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله تعالى ورأوا أمارات الصدق عليه قالوا هذا والله الذي توعدكم يهود به فلا يسبقنكم إليه. رحمه الله ابن كثير دي: Or Allah fit en sorte que les futurs soutiens, ceux qu'on va appeler الأنصار, du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, parmi les Aous et les Khazraj, entendent leurs alliés juifs de Médine annoncer l'avènement prochain d'un prophète dont ils les menaçaient. Les juifs disaient: nous allons à ses côtés vous exterminer comme le fut le peuple des Ad. Le peuple des Ad, c'est un peuple dont Allah Azza wa Jal a parlé dans le Coran, qui fut exterminé par Allah Azza wa Jal
après avoir réfuté le messager qui leur a été envoyé. Or, les Ansar, comme les autres Arabes, se rendaient au pèlerinage au sanctuaire sacré de la Mecque, ce qui n'était pas le cas des Juifs. Aussi, voyant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appeler les hommes à la religion d'Allah le Très-Haut et constatant en lui les marques de la sincérité, ils dirent « Par Allah, il s'agit de celui dont nous menaçaient les Juifs. Il ne faut surtout pas qu'ils croient en lui avant nous. » Parmi eux se trouvait As-Suwayd ibn As-Samit. Et nous arrêtons ici. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans ce passage de ce livre, commence à nous parler de ceux qui vont être appelés Al-Ansar. Le mot Ansar est le pluriel de... Les femmes, elles n'entendent pas bien. Ici, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va nous parler de ceux qui vont être appelés Al-Ansar. Le mot Ansar est le pluriel de Nasir. Et celui qui est appelé Nasir, c'est celui qui apporte le secours du mot Al-Nasr. Nasr étant le secours. Al-Ansar, ce sont donc les secoureurs. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça? Car ils sont ceux qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui l'ont défendu, qui ont défendu son honneur et qui lui ont apporté le plus grand secours. Ils étaient parmi les premiers des musulmans. Et les Ansar sont les habitants de Médine. Les habitants de la Mecque n'étaient pas appelés les Ansar. Ils étaient appelés Al-Muhajiroun, les émigrants. Donc il y a, si on peut dire ça comme ça, deux groupes. Nous avons les émigrants, qui sont ceux qui vont quitter la Mecque, comme nous allons le voir, Inch'Allah, pour se rendre à Médine. Et nous avons Al-Ansar, les secoureurs, qui sont ceux qui vécurent à Médine, ou qui vivaient à Médine, et qui ont accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de son émigration vers Médine, et ceux qui ont apporté le secours au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les Ansar sont composés de deux tribus. C'est ce que vous voyez ici lorsque l'auteur dit « Parmi les Aous et les Khazaraj ». Ce sont deux tribus qui vivaient dans la ville du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous parlons des Aous et des Khazaraj, il s'agit ici de deux tribus qui sont issus de deux hommes, qui sont frères. L'un s'appelle Al-Aous, l'autre s'appelle Al-Khazaraj. Donc à la base, ces deux noms sont les noms de deux hommes qui étaient des frères. Et va être issu de chaque homme une tribu à qui on donnera le même nom que cet homme. Donc la tribu qui va être issue de cet homme Al-Aous, on l'appellera Al-Aous. Et la tribu qui sera issue de Al-Khazaraj, on l'appellera la tribu de Al-Khazaraj. Ces deux tribus vont former les Ansar, les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mot Ansar a été traduit dans le Coran, traduit en français, par les auxiliaires. Vous le retrouvez dans Surat At-Tawbah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers qui ont adhéré à l'islam parmi les émigrants et les auxiliaires. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Mais sachez que ce qui est voulu par les auxiliaires, ce sont les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement ceux qui venaient de la ville de Médine. Ceux qui ont secouru le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce qu'on les a appelés comme ça? On vient de voir dans le chapitre précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait proposer aux gens de lui accorder leur protection. Et c'est eux qui ont accepté de lui accorder sa protection. Radiallahu anhum. Le mot Ansar est une appellation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donnée. Comme nous venons de le voir dans le verset.
Également l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a rapporté un hadith selon Ghaylan ibn Jarir radiyallahu anhu qui a dit: j'ai dit à Anas ibn Malik radiyallahu anhu, celui qui a vécu 10 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était son servant, قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَيْتَ اسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ تُسَمَّوْنَ بِهِ أَمْ سَمَّاكُمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ قَالَ بَلْ سَمَّانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ. Donc cet homme, Ghaylan ibn Jarir, a questionné Anas ibn Malik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Et il lui a dit: vois-tu ce nom, Al-Ansar, les secoureurs? Vois-tu ce nom, Al-Ansar? Est-ce que vous êtes donné cette appellation, ou est-ce plutôt Allah qui vous a nommé ainsi? Ou est-ce plutôt Allah, élevé soit-il, qui vous a nommé ainsi? Et lui a dit: non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce nom. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala les a élevés. Il les a honorés. Il a appelé ces gens les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et d'ailleurs dans un hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam a même dit: il fait partie de la foi d'aimer les ansar. Il fait partie de la foi d'aimer l'ansar, les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui il y a al-shi'a, les chiites, notamment al-rawafidh, qui les détestent et qui disent que tous ces gens-là sont des apostats, qu'ils ont quitté l'islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ils n'étaient pas croyants, ils étaient des hypocrites. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah leur donne ce qu'ils méritent. Donc nous avons dit que l'Aus et l'Khazaraj sont deux noms de deux frères, et ils sont les enfants de Haritha Ibn Tha'laba. Ils sont donc deux frères, enfants d'un homme qui s'appelle Haritha Ibn Tha'laba. Et ils font partie à la base de la tribu arabe connue sous le nom de Qahtan, qui est une tribu arabe connue. Et leur mère, donc la mère de l'Aus et l'Khazaraj, s'appelle Qayla. Qaylatu bintu Amr. Et c'est pour cela que dans certains ouvrages de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'on parle des Aus et des Khazaraj, on ne les appelle pas comme ça, on ne les appelle pas non plus les Ansar, mais on dit d'eux les enfants de Qayla. Et celui qui a compris ça va savoir de qui on parle. Donc soit on va dire d'eux Al-Aus Al-Khazaraj, ou bien Al-Ansar, et aussi dans d'autres sources de la biographie, on dit d'eux les enfants de Qayla. Les enfants de Qayla, c'est en référence à leur mère, la mère de ces deux hommes, desquels vont être issus ces deux tribus. Le mot Aus, à la base dans la langue arabe, il a un sens. Il veut dire al-i'ta, c'est-à-dire le don, le fait de donner. Et le mot Khazraj, dans la langue arabe, a également un sens qui veut dire le vent frais, qui veut dire le vent frais. Donc ces gens-là ont entendu de la part des juifs avec lesquels ils vivaient dans la ville de Médine qu'un homme allait être envoyé. Il serait le dernier prophète, car les juifs eux savent, les juifs ont toujours su qu'un dernier prophète allait arriver et qu'il allait marquer le sceau de la prophétie alayhi salatu wassalam. Ils l'attendaient impatiemment, mais ils espéraient qu'il allait être issu de quel enfant? Des deux enfants d'Ibrahim, de Ishaq et non de Ismaïl. Ibrahim a deux enfants, Ismaïl, Ishaq, qui sont tous deux des prophètes. La plupart des prophètes envoyés au peuple des enfants d'Israël sont issus de la descendance de Ishaq. Les juifs l'attendaient de cette descendance. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi
que le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, allait être issu de la descendance de Ismaïl. Ils l'ont donc jalousé. Et alors, ils ont montré leur animosité envers lui et leur hostilité à son égard, sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi à l'égard de toute personne qui allait adhérer à sa religion et qui allait le suivre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils savaient que bientôt allait venir le prophète, alayhi salatu wa sallam, ils savaient qu'il allait venir des Arabes, ils commençaient à menacer les Ansar et à leur dire, un homme va arriver, il dira qu'il est prophète. Si vous le suivez, on s'attaquera à vous. Et on vous tuera, on va vous exterminer comme le peuple de Ad a été exterminé. Et c'est un peuple qui a été exterminé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a refusé de se soumettre à son prophète. Et c'était Hud, si mes souvenirs sont bons. Donc, ces gens-là allaient accomplir le pèlerinage, et les Juifs le savaient bien. Ils allaient à la Mecque pour le pèlerinage qui avant était mêlé avec du polythéisme, avant qu'Allah azzawajal ne le réforme par le pèlerinage complet et parfait. Quand ils sont arrivés pour le pèlerinage, ils ont entendu l'appel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Nous parlons ici de ces deux tribus-là, l'Aous et le Khazraj, qui vont former après, qui vont devenir les secoureurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, certains ont écouté le prophète alayhi salatu wa sallam et ne se sont pas opposés à son message, sans pour autant y adhérer. C'est-à-dire qu'ils ont écouté et ils ont entendu ses paroles, ils lui ont montré le respect, ils ne se sont pas opposés à lui, mais ils ne sont pas pour autant revenus croyants. D'autres ont adhéré à ses paroles, alayhi salat wa salam, et ont embrassé l'islam. Et après ce pèlerinage, ils sont revenus à Médine en tant que prêcheurs à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré cet homme-là, dont l'auteur va parler, qui est Suwayd ibn Samit. Donc nous lisons ce que l'auteur va dire à son sujet. Il dit: وَكَانَ سُوَيْدُ بْنُ صَامِتْ أَخُو بَنِي عَمْرُ إِبْنِ عَوْفِ مِنَ الْأَوْسِ قَدْ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَلَمْ يُبْعِدْ وَلَمْ يُجِيبْ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُتِلَ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِمْ وَكَانَ سُوَيْدٌ هَذَا إِبْنَ خَالَةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit: parmi eux se trouvait Suwayd ibn Samit, du clan des Bani Amr ibn Auf, de la tribu des Aous. Donc retenez ces deux noms, Aous et Al-Khazaraj. Cet homme dont nous parlons ici fait partie des Aous. Lorsqu'il arriva à la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'appela à l'islam. Sans rejeter son appel ni y adhérer complètement, il retourna à Médine où il périt au cours de l'une de leurs guerres. Or ce Suwayd n'était autre que le cousin de Abd al-Muttalib. Donc ici, on nous parle d'un homme qui fait partie des Aous, et ensuite on va nous parler d'un autre homme qui va faire partie des Khazaraj. Cet homme-là, c'est Suwayd ibn Samit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rencontré. Il lui a exposé l'islam, alayhi salatu wa salam. As-Suwayd était un homme qui avait mémorisé certaines paroles sages de l'homme pieux, Luqman. Il y a une surah dans le Coran qui porte le nom de Luqman. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ, jusqu'à la fin des versets. Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant: ô mon enfant, n'associe rien à Allah. Allah Azza wa Jal a vanté cet homme, Luqman, de par la sagesse qu'il avait. Il n'était pas un prophète, mais c'était un homme pieux, un homme sage. Les savants l'ont appelé Luqman al-Hakim. Suwayd ibn Samit, qui a été rencontré par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
mémorisait certaines des paroles de Luqman. Il les a récitées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: هذا قول حسن وعندي لك أحسن منه. C'est une belle parole que tu prononces là, et j'ai des paroles qui sont encore plus belles que celle-ci. Et il s'est mis à lui réciter le Coran. Ensuite, cet homme-là, Souayd ibn Samit, a écouté la récitation du Coran et a répondu: إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ حَسَنَ. Cette parole est une belle parole. Et il a fait demi-tour, il est parti. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit sans rejeter son appel ni y adhérer. Mais si on prend les termes exacts en arabe, il dit sans répondre et sans éloigner. Sans éloigner, c'est-à-dire rejeter, repousser. Et le fait de dire que cette parole est loin de la vérité, ce n'est pas ce qu'a fait cet homme-là. Et malgré le fait qu'il n'a pas rejeté ces paroles, il n'a pas pour autant adhéré à ces dernières. Donc ça, c'est le récit de Souayd ibn As-Samit. Et c'est pour ça qu'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit, il n'a pas éloigné, il n'a pas adhéré. Ensuite, les savants ont divergé quant à cet homme, est-ce qu'il fait partie des compagnons ou non? Est-ce qu'il a adhéré à l'islam ou non? C'est un sujet de divergence entre les savants. Et l'imam Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a un livre qui s'appelle Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba. C'est un livre où il fait la distinction des compagnons du prophète, radiallahu anhum, et les a classés en quatre parties. Et il a cité Souayd ibn Samit à la fin, dans la quatrième partie. D'autres disent qu'il n'est pas savant, qu'il ne fait pas partie des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ala kulli hal, c'est un récit parmi tant d'autres, mais qui a quand même son importance, puisqu'ici on est en train de parler du début de la conversion à l'islam du peuple des Ansar. À la base, pendant qu'on est en train de parler, il ne s'appelle pas encore l'Ansar, retenez-le. Il s'appelle l'Aous et l'Khazaraj. Et sachez que ces deux tribus étaient des ennemis. Il y avait entre eux une animosité qu'on ne serait incapable de décrire. Ils s'entretuaient. Il y avait des guerres incessantes. Chacun assassinait l'autre. Et ils se provoquaient avec des vers de poésie. L'un arrivait, car la langue arabe est une langue de poésie, et il se mettait à réciter des vers poétiques pour provoquer l'autre. Le deuxième arrivait. Il répondait avec des vers de poésie. Le troisième arrivait, le quatrième. Et de là éclataient des grands combats et des grandes guerres qui ont fait énormément de morts. Et ces deux tribus-là, l'Aous et l'Khazraj, sont ceux qui vont devenir les secoureurs du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils vont faire partie des plus grands frères dans la foi. Alors qu'avant cela, ils n'ont jamais connu la stabilité, la paix. Ils n'ont jamais connu autre chose que l'hostilité et l'animosité. Ils étaient les ennemis les uns des autres. Ils se détestaient. Ils n'ont jamais été réunis ni par l'argent, ni par les mariages, ni par les contrats, ni par quoi que ce soit, ni le voisinage, ni le commerce, ni rien. Au contraire, ils étaient ennemis. Donc ici, c'est le récit de Souayd ibn Samit. Ensuite, Ibn Kathir rahimahullah va nous citer un autre homme. Cet homme s'appelle Iyas ibn Mu'adh. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: ثم قدم مكة أبو الحيصر أنس بن رافع في فتية من قومه من بني عبد الأشهل يطلبون الحلف فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال إياس بن معاذ منهم وكان شابا حدث يا قوم هذا والله خير مما جئنا له فضربه أبو الحيصر وانتهره فسكت ثم لم يتم لهم الحلف فانصرفوا إلى بلادهم إلى المدينة فيقال إن إياس بن معاذ مات مسلما. Ensuite, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit
Par la suite, arrivèrent à la Mecque Abul Haysar, Anas ibn Rafi'a. Donc on nous parle toujours de ces gens qui viennent à la Mecque dans le cadre du pèlerinage. Arrive à la Mecque Abul Haysar, Anas ibn Rafi'a, à la tête d'un groupe de jeunes hommes de son clan. Ce clan, c'est le clan des Banu Abd al-Ashhal. Banu, c'est Bani ici que vous voyez, c'est-à-dire les enfants, c'est-à-dire la descendance d'un homme qui s'appelle Abd al-Ashhal, en quête d'une alliance avec Quraysh. Ici, ces hommes-là qui arrivent à la Mecque, ils vont rechercher une alliance chez qui ? Chez le peuple de Quraysh. Pourquoi ? Parce qu'il y a à cette époque à Médine des guerres, des batailles incessantes, des meurtres entre eux qui ne connaissent aucune fin. Et alors, pour se protéger, ces gens-là viennent à la Mecque demander au peuple de Quraysh la protection et l'alliance. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les appela à l'islam, ce qui fit dire à l'un d'entre eux, qui est Iyas ibn Mu'ad, qui était jeune, par Allah, cet homme vaut mieux que ce que nous sommes venus chercher. Mais Abul Haysar était le chef de tous ces gens qui étaient venus à la Mecque, le frappa et le fit taire sèchement. Puis le groupe regagna Médine sans avoir pu contracter l'alliance désirée. Iyas ibn Mu'ad, dit-on, mourra en musulman. Abul Haysar, c'est un homme qui fait partie des Aous. Et le premier qu'on a vu, qui est Souayd ibn Samit, faisait partie des Khazaraj. Il est venu en compagnie de jeunes hommes de Médine à la Mecque pour demander le secours de Quraysh, pour se faire allier avec Quraysh contre qui ? Contre les Khazaraj. Pourquoi ? Parce que les Khazaraj, du point de vue du nombre, étaient plus grands que Al-Aus. Donc ils ont été jusqu'à la Mecque pour rechercher de l'aide du peuple de Quraysh. Et quand ils sont arrivés à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a rencontrés. Il leur a dit, فَقَالَ لَهُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِمَّا جِئْتُمْ بِهِ. Voulez-vous que je vous indique une chose meilleure que ce pourquoi vous êtes venu? C'est pour ça que cet homme à la fin leur a dit, par Allah, cet homme vaut mieux que ce pourquoi nous sommes venus. Parce que le prophète alayhi salat wa salam leur a dit, ô vous qui êtes venus chercher le secours de Quraysh, voulez-vous que je vous indique une chose qui sera pour vous bien meilleure que ce que vous êtes revenus chercher, que ce que vous êtes venus rechercher, c'est-à-dire le secours de Quraysh? Et donc le prophète alayhi salat wa salam les a invités à l'islam. Et ce jeune homme, Iyas ibn Mu'ad, a dit, par Allah, cet homme vaut bien mieux que ce que nous sommes venus chercher. Ensuite, Abul Haysar, le chef de ces hommes, l'a frappé. Il l'a frappé et il lui a dit de se taire. Ensuite, ils ont quitté la Mecque pour rejoindre la ville de Médine, sans pour autant réussir à avoir ce qu'ils sont venus rechercher, à savoir la protection de Quraysh. Lorsqu'ils sont arrivés à Médine, un grand combat a éclaté entre les Aous et les Khazaraj. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de tout ça. Parce que si vous avez compris qui sont les Aous et les Khazaraj et qui est-ce qu'ils vont devenir, vous allez comprendre énormément de choses quand on va passer dans les chapitres qui vont concerner toutes les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils sont revenus à Médine, une bataille a éclaté. Cette bataille est appelée dans les livres d'histoire Waqa'atu Bu'ath, ou bien le jour de Bu'ath, Yawmu Bu'ath. Bu'ath, pourquoi Bu'ath? C'est tout simplement le nom d'un endroit qui est proche de la ville de Médine, et c'est là-bas qu'une énorme guerre a éclaté et très sanglante entre les Aous et les Khazaraj. Et cette guerre a éclaté exactement 5 ans avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne quitte la Mecque pour rejoindre la ville de Médine. Et Allah subhanahu wa ta'ala est sage.
Et ce n'est pas pour rien que par sa sagesse, il a décrété cette guerre. Pourquoi ? Parce que suite à cette guerre, un nombre considérable d'hommes a été tué ou éliminé. Et ces hommes-là étaient des têtes dans ces peuples-là. Et le fait qu'ils sont morts, ça a été une occasion pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que peu de temps après, il va arriver à Médine pour s'y installer et appeler les gens à l'islam. Et ces gens-là n'auraient peut-être jamais accepté être gouvernés par quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Donc, la sagesse d'Allah Azza wa Jal a fait que ces hommes ont été tués. Ils se sont entretués entre eux. Et c'est pour ça que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Kana yawmu bu'ath yawman qaddamahu Allahu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam » فقد افترق نعم فقد افترق ملأهم وقتل سرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الإسلام. عائشة رضي الله عنها a dit: le jour de Bu'ath était un jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait préparé pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il n'arrive à Médine. Lorsqu'il est arrivé à Médine, les gens s'étaient divisés. Les gens, l'Aws et l'Khazaraj, s'étaient divisés au point de s'entretuer. Et des têtes ont été tuées et d'autres blessées. Ce qui a été une aubaine pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les appeler à l'islam. Et parmi ces gens, il y a celui dont on parle, Iyas ibn Mu'adh. Quand il est revenu à Médine, c'est le jeune qui a dit « Par Allah, cet homme vaut bien mieux que ce que nous sommes venus rechercher. » Dès qu'il est arrivé à Médine, il s'est retrouvé à Bu'ath. Et il s'est retrouvé au milieu de cette guerre. Et il a été assassiné. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a cité dans son livre d'histoire qui s'appelle « At-Tarikh al-Awsat ». Ce livre n'est pas traduit. C'est un livre d'histoire de l'islam. Il a cité que parmi les premiers à avoir émigré, il y avait cet homme-là, Iyas ibn Mu'adh. Donc il l'a cité parmi les compagnons. Et il est rapporté selon Mahmoud ibn Labid, un compagnon, radiyallahu anhu, qui a dit « فأخبرني من حضر من قومه أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويسبحوه » Il dit, Mahmoud ibn Labid, un compagnon, a dit au sujet de Iyas ibn Mu'adh, ce jeune homme qui a dit cette parole, ceux qui étaient présents pendant sa mort m'ont rapporté qu'ils n'ont cessé de l'entendre dire « La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah » jusqu'à sa mort. Et ce récit a été jugé authentique par certains savants du hadith. Et on n'a pas eu dans l'histoire d'informations concernant ce jeune homme qui dit qu'il a appelé les gens à l'islam, qu'il a prêché à l'islam. Les seules informations que l'on a sont celles que l'on vient d'entendre. Donc on ne sait pas est-ce qu'il a prêché à l'islam ou non. Mais on sait qu'il est dit qu'il est mort musulman et qu'il a adhéré à l'islam. Donc, voici ce qu'il en est des Aws et des Khazraj. Ce que vous avez compris. Dans la ville de Médine, avant que le prophète n'y aille émigrer, il y a des gens qui y vivent. Il y a deux tribus, Al-Aws, Al-Khazraj. Ce sont les enfants de deux hommes qui portent ces noms-là. Et il y a également les Juifs. Les Juifs disent Al-Aws et Al-Khazraj qui vont à la Mecque pour le pèlerinage. Il y a un homme là-bas qui dit qu'il est un messager. Si vous le suivez, on vous tue, on vous extermine. Et eux, ils y vont et ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils voient le prophète alayhi salatu wa sallam qui les appelle à l'islam. Certains adhèrent à sa religion, ils reviennent sans pour autant prêcher à l'islam. D'autres reviennent en tant que prêcheurs,
D'autres n'y adhèrent pas, mais ne la rejettent pas. Et parmi ces gens-là, il y a ces deux hommes qui nous ont été cités ici. Iyas ibn Mu'adh revient à Médine et il se fait assassiner dans la grande bataille qui a opposé les Haous et les Khazaraj. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de tout ça. Si tout cela est compris, nous allons lire la suite. Qala rahimahullah, faslun bay'atul aqabatil ula. Donc c'est donc un autre chapitre qui va être appelé la première allégeance de Al-Aqaba. Ici, nous allons parler de cette allégeance prêtée par ces gens-là justement qui vont adhérer à l'islam et qui vont venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui prêter allégeance et lui promettre de le suivre et de le secourir. Ibn Kathir rahimahullah dit: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَقِيَ عِنْدَ الْعَقَبَةِ فِي الْمَوْسِمِ سِتَّةَ نَفَرٍ مِنَ الْأَنصَارِ كُلُّهُمْ مِنَ الْخَزَرَجِ وَهُمْ أَبُو أُمَامَةَ أَسْعَدْ إِبْنُ زَرَارَةَ إِبْنِ عُدَسْ وَعَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ إِبْنِ رِفَاعَةَ وَهُو بْنُ عَفْرَاءَ وَرَافِعُ بْنُ مَالِكِ إِبْنِ الْعَجْلَانِ وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله بن رئاب فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلموا مبادرة إلى الخير ثم رجعوا إلى المدينة فدعوا إلى الإسلام ففشى الإسلام فيها حتى لم تبقى دار إلا وقد دخلها الإسلام. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: par la suite, lors de la saison du pèlerinage, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rencontra près de Al-Aqaba 6 hommes parmi les Ansar, tous de la tribu des Khazaraj: Abu Umama, As'ad ibn Zurara ibn Udas, Auf ibn Harith ibn Rifa'a, qui n'est autre que ibn Afra. Donc ici il cite des noms. On s'arrête ici et on va d'abord expliquer ce qu'est ce nom Al-Aqaba. Al-Aqaba, c'est le nom d'une stèle qu'on lapide durant le pèlerinage. Ceux qui ont été au Hajj savent, et ceux qui vont y aller doivent savoir, que parmi les rites du pèlerinage, il y a ce que l'on appelle la lapidation des stèles. Les stèles, ce sont trois endroits qui se situe à Mina, un quartier de la Mecque, où le pèlerin se rend pour lapider, lancer 7 pierres sur chaque stèle. Une de ces 3 stèles s'appelle Al-Aqaba. On appelle ce pacte d'allégeance la première allégeance de l'Aqaba, en référence au lieu où ces gens ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on t'avait prêté allégeance à Pantin, on aurait dit l'allégeance de Pantin. Mais on ne prête allégeance qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au gouverneur. Ici, ce qui est voulu, c'est que le nom, c'est le nom de l'endroit où il y a eu cette allégeance prêtée par les compagnons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est à cet endroit-là que 6 personnes qui faisaient partie des Khazaraj sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour embrasser l'islam et lui prêter allégeance. Ibn Kathir a cité le nom de ces 6 personnes. Il dit, ensuite après avoir cité les noms, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les invita à embrasser l'islam, ce qu'ils firent dans leur empressement à faire le bien. Puis, de retour à Médine, ils prêchèrent eux-mêmes l'islam qui se répandit dans la cité. La cité, c'est la ville de Médine. Au point qu'il ne se trouvait pas une seule maison sans que l'islam n'y soit entré. Donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala va nous montrer que le rôle de ces 6 hommes a été de la plus grande importance dans l'histoire du début de la propagation de l'islam qui a commencé à Médine. Et le Cheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad, hafidhahullah, qui commente ce livre,
Lorsqu'il arrive à ce passage, lui, pour remettre les choses dans leur contexte, c'est un savant de la Sunna, il vit à Médine, il y enseigne, et pendant qu'il enseigne ce livre que nous on enseigne à Pantin, lui il l'enseigne à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il arrive à ce passage là et qu'il cite ces six hommes, il dit que ces six hommes ont joué un grand rôle dans le début de la propagation de l'islam. Et ensuite on voit à la voix qu'il a les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est par la cause de cet homme là après la permission d'Allah Azza wa Jal, que nous sommes ici aujourd'hui à Médine en train de parler de l'islam. Donc ces six hommes là qui vont faire partie des Ansar ont joué un rôle crucial dans la propagation de l'islam. Ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ont prêté allégeance et lui ont promis le suivi, l'obéissance et également d'appeler les gens à l'islam. Ensuite ils sont retournés à la ville de Médine et ils ont invité les gens à l'islam un par un. Et il s'avère qu'à Médine il y avait une facilité, une accessibilité plus grande que celle qu'il y avait à la Mecque d'appeler les gens à l'islam. À la Mecque, les gens étaient renfrognés. Ils étaient refermés sur eux-mêmes. Ils ne voulaient pas accepter le message. Par contre, à Médine, il y avait une certaine facilité à accepter le message. Donc, cette occasion a été saisie par le prophète, alayhissalatu wassalam, qui a envoyé des hommes à Médine pour préparer le terrain et appeler les gens à l'islam. Et c'est ce qui s'est passé. L'islam s'est propagé tellement rapidement qu'il n'a pas laissé une maison sans y entrer. Et les gens ont accepté le message. Ils ont accepté le message de l'islam. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? La ville de Médine est en train de se préparer à cet énorme événement qui va se produire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'histoire de l'islam qui s'appelle Al-Hijra, l'émigration. Et c'est tellement un événement, c'est un événement qui est tellement important dans l'islam que la date du calendrier islamique commence à partir du jour de cette émigration. Aujourd'hui, nous sommes le 4 du mois de Rajab de l'an 1435. De quoi? De l'émigration du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, cette émigration dont nous allons parler a eu lieu il y a 1435 années. Donc, il y a la préparation. La préparation, qu'est-ce que c'est? Ces hommes qui vont faire les va-et-vient entre la Mecque et Médine, ils viennent à la Mecque étudier l'islam, ils repartent à Médine le propager. Et l'islam ne cesse de se propager jusqu'à pénétrer toutes les maisons. Et les gens commencent à rentrer dans une ambiance de foi en Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui se passe? Toute l'animosité qu'il y a pendant toutes ces années à laquelle on n'a jamais trouvé aucune solution, ni l'argent, ni le mariage, ni la politique, ni rien, elle va s'éteindre comme si qu'elle n'a jamais existé. Allahu Akbar. Imaginez-vous des centaines de gens, des centaines d'hommes qui s'assassinent les uns les autres, les uns pillent les biens des autres depuis des années. Ils n'ont jamais trouvé de conciliation. Ils n'ont jamais trouvé d'accord. Jamais de paix. Jamais de stabilité. Quand il sortait dehors, il avait peur d'être assassiné. Et quand l'autre sortait, il avait peur d'être assassiné et d'être pris en traître. L'islam arrive, le tawhid rentre dans les maisons, il rentre dans les cœurs et il brûle toutes les impuretés de l'égarement et de l'époque anti-islamique. Et si cela te montre une chose, ça te montre la grandeur du tawhid, du monothéisme quand il entre dans les cœurs. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à ces hommes dans surat Ali Imran. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. L'imam Sa'di rahimahullah ta'ala a commenté ces versets. C'est le shaykh du shaykh al-Uthaymin, rahimallah, en disant: Allah nous a ordonné de craindre Allah et de ne mourir qu'en pleine soumission. Ensuite, il nous a donné ce qui va nous aider à atteindre ce but, la crainte et la mort dans la soumission.
Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Division, égarement. Division, mal. Division, chose mauvaise. Trouble, fitna, dans tous les domaines. Donc Allah Azza wa Jal dit, cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Ensuite il dit, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. De quel bienfait est-ce qu'il parle et à qui est-ce qu'il s'adresse? En premier lieu, il s'adresse à Aws et Khazraj qui sont devenus les Ansar après l'Islam. Les secours du prophète, alayhi salatu wasalam, unis et frères. Rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Lorsque vous étiez ennemis, il a réuni vos cœurs. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Par sa grâce, vous êtes devenus des frères. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Alors que vous vous trouviez sur le bord d'une falaise croulante, il vous a secouru. Donc ici, Allah Azza wa Jal s'adresse en premier lieu à ces deux tribus, les Aws et les Khazraj. Il leur dit, rappelez-vous, cette époque des guerres, cette époque de l'animosité, cette époque de l'hostilité. Puis quand l'islam est arrivé, vous êtes devenus frères. C'est-à-dire, ne perdez pas ce bienfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse en second lieu à tous les croyants qui avant étaient désunis et qui se sont unis par la cause de l'islam et de la sunna. Il leur dit, rappelez-vous ce bienfait. Avant, peut-être que vous ne vous connaissiez pas. Peut-être que vous étiez ennemis les uns des autres. Peut-être que. Quand vous avez découvert l'islam, quand le tawhid a habité vos cœurs, quand vous avez aimé la sunna, vous êtes devenus des frères, alors ne perdez pas ce bienfait. N'innovez pas dans la religion d'Allah. Ne suivez pas les innovateurs. Ne suivez pas les politistes, les associateurs. N'inventez rien dans la religion d'Allah. Gardez ce bienfait parce qu'on va chercher à vous le prendre. Donc ici, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a dit à Aws et Khazraj, mais aussi à tous les croyants. Pourquoi est-ce qu'on a cité tout ça? Pour dire que quand l'islam est arrivé et que les Aws et les Khazraj ont adhéré à cette religion, la guerre entre eux a disparu. Ils sont devenus des frères parmi les plus grands frères qui ont marqué l'histoire de l'islam. Il y a des scènes de fraternité entre eux que nous allons voir. L'un d'entre nous, si ce ne sont pas des récits du prophète, peut-être qu'il ne va pas, y croire. Taïeb. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, nous parle de ce pacte d'allégeance ou cette allégeance prêtée par ces six hommes. Ensuite, il dit فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ جَاءَ مِنْهُمْ إِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا السِّتَّةُ الْأُوَلِ خَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ رِئَابِ وَمَعَهُ مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ ابْنِ رِفَاعَ أَخُ عَوْفِ الْمُتَقَدِّمِ وَذَكْوَانُ بْنُ عَبْدِ قَيْسِ ابْنِ خَلْدَ وقد أقام ذكوان هذا بمكة حتى هاجر إلى المدينة فيقال إنه مهاجري أنصاري وعبادة بن الصامت ابن قيس وأبو عبد الرحمن يزيد ابن ثعلبة فهؤلاء عشرة من الخزرج واثنان من الأوس وهما أبو الهيثم مالك بن التيهان وعويم ابن ساعدة فبيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء ولم يكن أمر بالقتال بعد. Ibn Kathir رحمه الله تعالى continue toujours en train de nous parler du premier pacte d'allégeance qui a eu lieu à cet endroit à Al-Aqaba. Puis de retour à Médine, ils prêchèrent eux-mêmes l'islam qui se répandit dans la cité au point qu'il ne se trouvait pas une seule maison sans que l'islam n'y soit entré. L'année suivante, 12 Ansar. Donc ici nous parlons des Ansar, ce sont les Aws et les Khazraj. Rencontrèrent de nouveau le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les 6 premiers, donc il y avait parmi ces 12, les 6 premiers, les premiers à avoir prêté allégeance, à l'exception de Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab, accompagné de Mu'adh ibn al-Harith ibn Rifa'a, le frère de Aouf mentionné précédemment. Il y avait aussi Dhakwan ibn Abd Qais ibn Khalda, qui demeura à la Mecque jusqu'à son émigration à Médine, si bien qu'il est à la fois appelé
Muhajir et Ansari. Muhajir, c'est-à-dire émigrant, Ansari, secoureur. Pourquoi ? Parce que lui, à la base, il vient de Médine. Il a secouru le prophète, alayhi salatu wassalam. Il est allé à la Mecque, il s'y est installé. Et pendant l'émigration, il a quitté la Mecque et rejoint Médine. Donc lui, c'est un compagnon que l'on appelle Muhajiri Ansari, émigrant et secoureur aussi du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais aussi Ubadat ibn Samit ibn Qais et Abu Abdurrahman Yazid ibn Tha'alaba. Ces 10 hommes appartenaient à la tribu des Khazraj. Les deux autres, Abu al-Haytham, Malik ibn Tayyihan et Uwaym ibn Sa'ida, à celle des Aous. Donc qu'est-ce qu'on commence à voir là? On commence à voir que petit à petit, les Aous et les Khazraj commencent à s'unir, à voyager ensemble, à trouver un accord entre eux, par la cause de l'islam. Les 12 Ansar firent donc allégeance au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme le feront les musulmans par la suite. Comme les feront les musulmans par la suite. Ce qui est voulu ici, déjà sachez que le pacte d'allégeance, le traité ou le pacte d'allégeance, certains savants ont dit qu'il y en a eu 3. D'autres ont dit qu'il y en a eu 2. Et on va le voir à travers cette lecture, Inch'Allah. Ceux qui disent qu'il y en a eu 3 disent que les 6 premiers qui ont prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam, ils disent qu'ils ont eu la première allégeance. Ensuite, ils disent que le deuxième, ce sont les 12 hommes qui sont venus, parmi lesquels les 6 premiers déjà. C'est-à-dire qu'ils auraient prêté une deuxième fois allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, une troisième fois, c'est celle qu'on va voir, Inch'Allah, bientôt. Et le Cheikh Abdurrazzaq, hafidhahullah, a dit, il apparaît que, en fait, il y en a eu 2. C'est-à-dire que la première, les 6 premiers qui sont venus secourir le prophète, alayhi salatu wassalam, sont venus croire en lui, le suivre, mais ils ne lui ont pas encore prêté allégeance. Quand ils sont revenus par la suite avec 6 autres personnes, donc là ils étaient 12, ça c'est la première allégeance. Et la deuxième, c'est celle qu'on va voir, Inch'Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, il nous dit que l'année qui est venue, l'année d'après, cette année dont il nous parle, c'est la 11e année après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel âge il a à ce moment-là? Il a 51 ans, alayhi salatu wassalam. 3 ans avant qu'il n'émigre vers la Mecque, alayhi salatu wassalam. C'est à ce moment-là que les Aous et les Khazraj ont commencé à trouver un terrain d'entente. Ils ont commencé à partager la foi, à s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qui concerne le premier pacte d'allégeance, ou bien la première allégeance. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous a dit que cette première allégeance est comme celle faite par les musulmanes, c'est-à-dire par les femmes. Et pourquoi est-ce qu'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous dit comme les femmes? Parce que ici, ils ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont promis de ne rien adorer en dehors d'Allah Azza wa Jal, de ne pas voler, de ne pas commettre la fornication, de ne pas commettre un certain nombre de péchés qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le verset que je suis en train de rechercher, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'allégeance prêtée par les femmes croyantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est-ce qui se souvient du verset? Al-Mumtahana? Oui, la femme. Non, c'est l'aïa.
Voilà. Le verset, Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuha an-nabiyyu idha ja'aka al-mu'minatu yubayi'naka 'ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznin wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wa astaghfir lahunna Allah inna Allaha ghafurur rahim. Ce qui veut dire: ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance en jurant qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie, ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ça, c'est le premier pacte d'allégeance. Ces hommes-là dont nous parlons, qui étaient 12, ont prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam avec les mêmes choses citées de ces femmes croyantes qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wasallam. Il n'était donc pas question. Non. C'est le verset 12 de sourate l'éprouvé, Al-Mumtahana, c'est la sourate 60. Donc ici, il n'est pas encore question de bataille. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle de ça, parce que dans la deuxième allégeance, il va être question de bataille, de combat, d'appel à l'islam, de défense de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, continue et dit « فَلَمَّا انْصَرَفُوا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْثَ مَعَهُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَمْرَ بْنَا أُمِّ مَكْتُومٍ ومصعب بن عمير يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان إلى الله عز وجل فنزل على أبي أمامة أسعد ابن زرارة وكان مصعب بن عمير يأمهم وقد جمع بهم يوما بأربعين نفسا أي صلى بهم الجمعة وكان إماما وخلفه أربعون رجلا فأسلم على يديهما بشر كثير منهم أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجال والنساء إلا الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن قيس بن وقش فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد فأسلم يومئذ وقاتل فقتل قبل أن يسجد لله سجدة فأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمل قليلا وأجر كثيرا. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: or le prophète n'avait pas encore reçu l'ordre de combattre. Donc c'est pour ça qu'il dit que ces gens-là ont prêté la même allégeance prêtée par les femmes croyantes. Lorsqu'ils regagnèrent Médine, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les fit accompagner de Amr ibn Ummi Maktoum et Mus'ab ibn Umayr. Quand ces gens-là ont quitté la Mecque pour rejoindre Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé avec eux deux hommes, deux jeunes hommes, dans le but de leur enseigner les bases de l'islam et de leur enseigner le Coran. Pourquoi ces deux jeunes hommes? Parce qu'ils étaient cultivés dans la religion d'Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait pour appeler à Allah les gens qui connaissaient la religion d'Allah azza wa jal. Il n'envoyait pas des gens qui se levaient d'un coup et qui disaient avoir vu en rêve le prophète et je ne sais quelle autre histoire qui sont véhiculées par le groupe d'établir et autres. Au contraire, il envoyait des gens qui avaient étudié la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah les fit accompagner de Amr ibn Ummi Maktoub et Mus'ab ibn Umayr, chargés d'enseigner le Coran aux nouveaux musulmans de Médine et d'appeler ses habitants à la religion d'Allah, le Tout-Puissant. Les deux hommes séjournèrent chez Abu Umama As'ad ibn Zurar. Abu Umama fait partie des six premiers qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam et également des 12 qui sont venus prêter la première allégeance. Mus'ab ibn Umayr dirigeait la prière en commun de la nouvelle communauté musulmane. Quand ils sont arrivés à Médine, les deux hommes là,
Mus'ab ibn Umair et le deuxième qui est avec lui, ils ont été accueillis par les premiers qui ont prêté allégeance au prophète, alayhi salatu wassalam. Et Mus'ab ibn Umair, c'était un jeune homme. Et c'est lui qui a été désigné comme guide pour la prière en groupe. Un jour, il fit la prière du vendredi devant 40 fidèles. Par leur intermédiaire, bien des Médinois entrèrent en islam, au nombre desquels Usayd ibn al-Hudayr et Sa'd ibn Mu'adh. Et vous allez voir par la suite que Sa'd ibn Mu'adh est un compagnon qui a une place particulière chez Allah Azza wa Jal. Car quand il est mort, le trône d'Allah Tabaraka wa Ta'ala a tremblé. Allah, tellement Allah aimait ce compagnon, Sa'd ibn Mu'adh. Mais vous allez entendre parler de lui. Inch'Allah. Ces deux hommes furent eux-mêmes à l'origine de la conversion de l'ensemble des Bani Abdul Ash'al. Donc cette tribu-là, Bani Abdul Ash'al, tous ces gens de cette tribu se sont convertis à l'islam. Pourquoi ? Parce que les têtes se sont converties. Et c'est comme ça qu'on a dit plusieurs fois que le prophète, alayhi salatu wassalam, invitait à l'islam les têtes. Et il savait que si les têtes entraient en islam, les autres allaient suivre. Tel fut le cas pour ces gens-là. À l'origine de la conversion de l'ensemble des Banu Abdul Ash'al, hommes et femmes, à l'exception de Al-Usayrim. Al-Usayrim, c'est un homme qui fait partie de cette tribu, mais qui ne s'est pas converti à l'islam quand eux se sont convertis. Mais seulement après un certain temps. Qui n'est autre que Amr ibn Thabit ibn Waqsh, qui n'embrassera l'islam que le jour de la bataille de Uhud. Il fut d'ailleurs tué au cours de cette même bataille en combattant aux côtés des musulmans, sans avoir pu donc se prosterner une seule fois devant Allah. Informé à son sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira de lui, il a peu œuvré, mais sa récompense est immense. Donc cet homme-là, Amr ibn Thabit ibn Waqsh, n'a pas accepté ou n'a pas adhéré à l'islam au moment où eux ont adhéré à l'islam. Quand les deux jeunes de la Mecque ont été à Médine et qu'ils ont été accueillis par les premiers qui ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des têtes se sont converties à l'islam, leur peuple s'est converti à l'islam, mais cet homme-là, lui, il ne s'est pas encore converti. Et dans la bataille de Uhud que nous allons voir, inshallah, plus tard, il s'est converti à l'islam, il est parti combattre. Et il s'est fait tuer. Il n'a même pas eu le temps de faire une prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit de lui, regardez cet homme, il a œuvré peu, mais il a une immense récompense. Dès qu'il est rentré dans l'islam, il est parti pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons nous arrêter ici, insha'allahu ta'ala, et on reprendra samedi prochain. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.